Comment assurer une sécurité et une sérénité de la présidentielle 2020? C'est avec la contribution des directeurs de campagne et les responsables en charge de la sécurité des candidats que la Commission électorale indépendante entend apporter une réponse adéquate. À la table de discussion, les membres de la CEI et les représentants de candidats à la présidentielle à raison de 2 personnes par parti. Malgré l'absence du parti septuagénaire, le PDCI-RDA, la séance de travail a quand même eu lieu. Conformément à la loi sur la CEI, la Commission électorale indépendante doit garantir la sécurité et la sérénité du processus. Voici donc pourquoi nous vous avons convié à cette réunion, pour vous présenter l'offre de sécurité de la CEI. Pour cette année, il aura ce que nous appelons la police électorale. Nous travaillons à ce que cette police électorale soit constituée d'éléments formés à l'effet de la sécurisation du processus. La période de campagne va bientôt démarrer. Les candidats et leurs militants veulent s'assurer du bon déroulement et d'une bonne sécurisation de leurs candidats. Le sujet à l'ordre du jour de cette rencontre, une assurance, un espoir pour les représentants de candidats. Nous nous sommes entendus sur les grandes lignes, c'est-à-dire comment est-ce que la CEI en tant qu'institution compte sécuriser d'abord les candidats eux-mêmes, les sièges, leur cortège et le déroulé donc de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Nous repartons donc enrichis de ces informations. Nous allons les transmettre à nos staff et puis les traiter. Sur le personnel à mettre à la disposition des candidats d'abord. Et puis comment ce personnel va être utilisé sur le terrain. Voilà un peu les informations qui nous ont été données. Et j'allais dire comment ils vont être traités. Voilà. Ils ont laissé la possibilité aux candidats de faire des propositions des agents qu'on pourrait mettre à leur disposition. Nous allons continuer le travail avec la CEI pour pouvoir peaufiner voilà, toutes les dispositions que la CEI compte prendre pour pouvoir assurer la sécurité du candidat. Ça s'est très bien passé. Nous repartons la base pour rendre compte. La CEI entend multiplier ce genre de rencontres pour peaufiner sa stratégie et tenir son engagement d'une élection apaisée.